C'est où qu'on s'amuse? C'est où qu'on s'amuse? C'est plutôt intéressant. Ce n'est pas la peur que je sens, si? Je peux bien m'abaisser à faire ça. C'est plutôt intéressant.
c'est plutôt intéressant. Je peux bien m'abaisser à faire ça. C'est où qu'on s'amuse? Je peux bien m'abaisser à faire ça.
Le dernier acolyte arrive enfin. J'espère que tu ne penses pas bénéficier d'un statut privilégié. Ce serait dommage que l'envie de liberté te monte à la tête ou que tu t'imagines que tu n'es pas obligé de réussir les épreuves pour devenir un Sith. Le Seigneur Zash m'a chargé de tester les rebuts que vous êtes pour trouver celui qui serait digne d'être son apprenti. Et c'est ce que je compte faire. Qui est ce Zash? Ce sera Seigneur Zash pour toi, esclave. C'est un seigneur noir des Sith, plus important que tu ne le seras jamais. Bon, vous savez ce qu'on attend de vous, bande de déchets vivants. Allez-y pendant que je mets notre retardataire au courant. Sois prudente, l'ami. Et ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Il ne peut pas tous nous tuer. Les Sith ne connaissent pas la peur. Comme tu veux. Bien, esclave, voici ton épreuve. Un ermite répondant au nom de Spindral vit dans le tombeau d'Ajuntapal dans la vallée des Seigneurs Noirs. Spindral est un vieux fou, mais le Seigneur Zash le considère comme une sorte de prophète. Quand tu l'auras trouvé, il te testera. J'aime relever des défis. Bref, tu connais maintenant ta mission. Spindral vit dans le tombeau d'Ajuntapal, dans la vallée des Seigneurs Noirs. Ne fais pas attendre Spindral, esclave. Thank you.
Pardonnez-moi, acolyte. Sergent Cormoun, 5e compagnie d'infanterie, régiment de Corriban. Est-ce que je peux vous parler? Vous pouvez parler librement, sergent. Merci. Vous êtes une des esclaves qu'Akakarkoun a amenées lors du dernier transfert, c'est ça? Vous êtes venu faire vos preuves devant les surveillants assoiffés de sang. Oui, c'est bien moi. Eh bien, c'est l'occasion de faire vos preuves devant les surveillants, mais aussi de commencer à nouer des liens avec l'armée de l'Empire. Je suis ici pour diriger une mission difficile et exterminer des limaces chlore dans ce tombeau. Ce sont des bêtes horribles. Leur gueule est plus grosse que votre tête. J'ai perdu 3 escouades de bons soldats au combat. Elles viennent en meute. Elles... on dirait qu'elles gobent les hommes. Alors je vous conseille de changer de stratégie. Écoutez, j'ai identifié le point faible de l'ennemi, mais ce n'est pas facile de l'atteindre. Ces limaces chlore se reproduisent si vite qu'il est impossible de les éliminer de façon conventionnelle. Alors on a commencé à attaquer leur nid. Elles sont devenues folles. On a réussi à mettre des explosifs dans tous les nids, mais les limaces chlore nous ont attaqués avant qu'on puisse les faire exploser. Vous êtes sûr que votre plan va réussir? Je l'ignore, mais je l'espère. Sans nid, le nombre des limaces chlore diminuera et on pourra les exterminer. Ne sous-estimez pas ces limaces chlore, madame. Elles sont plus intelligentes qu'elles en ont l'air.